avez remarqué que je suis habillée en blanc. C'est-à-dire, c'est un signe de paix. Qu'il y a des atrocités à l'Est, mais notre prière et l'engagement du président de la République, c'est de mettre fin à ces atrocités, c'est de mettre fin à la guerre. Quand le pays n'est pas uni, comment nous allons aller aux élections? Comment ils vont voter là-bas à l'Est s'il n'y a pas la sécurité dans le pays? Donc moi, pour ma part, j'opte d'abord, s'il y a le budget, qu'on puisse d'abord tout mettre en œuvre pour que la sécurité et la paix redeviennent à l'Est. Et puis ensuite, on pourra s'occuper des élections. Les femmes de la société civile se sont impliquées et ont demandé vraiment que les chefs de l'État viennent parler aux femmes. C'est la raison pour laquelle vous avez constaté qu'il y a eu des femmes qui, en fait, ont présenté des plaidoyers auprès du chef de l'État. Et c'était le message de toutes les femmes de la République démocratique du Congo. Cette journée, et plus particulièrement ce thème, nous rappelle combien le chemin demeure encore long, tant les inégalités en matière de genre semblent transcendantes et disparates. Pour ceux qui relèvent du numérique, par exemple, les fractures sociales observées en matière de genre dans la société de manière générale peuvent avoir un impact hautement significatif dans l'accès et l'éducation des filles, jeunes filles et femmes aux nouvelles technologies. Pour venir à bout de ces inégalités, j'ai entrepris dès l'entame de mon mandat une série d'actions visant à réduire ces inégalités et à faire le lit de l'avènement d'une société plus égalitaire, aussi bien en République démocratique du Congo qu'en Afrique.